Salut à tous, c'est Belgaï. Salut. Personnellement, j'ai toujours eu l'impression que les 7 nains du film Blanche-Neige représentaient en fait chacun un défaut qu'on peut retrouver chez les humains. Par exemple, grincheux, ben, on connaît tous quelqu'un qui voit tout le temps la vie en noir, qui arrête pas de râler. Ben, encore une idée ridicule, complètement stupide, et moi je prête mon visage ici, je vais avoir. Dormeur, ben, c'est le fainéant. Simplet, c'est le mec un peu bête. Prenons le nain, Achou. C'est un hypochondriac. Hypocon quoi? Un hypochondriac. T'es un Pokémon? Non. C'est les gens qui ont peur des microbes. Ils ont tout le temps peur d'être malades. Je me disais bien qu'il était pas dans le Pokédex. Du coup, comment ça se passe ta Saint-Valentin quand t'as un de ses défauts? Toutes les demoiselles étaient habillées de la même couleur et dans un balai incroyable quand... Excusez-moi, serveur, oui. Le cuisinier, il travaille avec des gants? Oui, très bien. C'était quelque chose d'éclaireur? J'ai l'impression qu'il y a une tache de doigt sur mon verre. Est-ce qu'il a bien été lavé? C'est à la main ou c'est plutôt au lave-vaisselle? Oui, je disais, dans... J'ai l'impression que le serveur il s'est pas lavé les mains là. Il sort des toilettes, il s'est pas lavé les mains. Quand c'était la marche... Il y a un cheveu dans mon assiette. Il y a un cheveu dans mon assiette. Oh mon dieu, il va falloir qu'on change de restaurant. Oui, j'ai un petit rhume, j'espère que ça te dérange pas. Non, non, ça me dérange pas. Et toi, ton défaut ce serait lequel par exemple? Timide. Vraiment? Si, si. Surtout au début, je peux pas m'empêcher de poser 2000 questions pour être sûr qu'elle est bien. Et tu peux nous le montrer? Je me suis assis ici, mais... Enfin, si tu préfères cette place, y a pas de problème, hein, t'as qu'à me le dire, on peut changer de place. Je t'assure, ça va. C'est pour être sûr que tu sois bien, parce que si tu préfères la vue de ce côté-ci... T'as vu la vue? Non, ça va. Moi ça va, mais toi, je veux être sûr que pour toi ça va. Ça va pour toi? Si ça va pour toi, moi ça va pour moi. Oh, mais y'a pas de poisson au menu. Tu veux qu'on change de restaurant? Moi j'ai choisi celui-ci parce que je l'aime bien, mais si toi, ça te convient pas, on peut encore s'en aller, hein, y a vraiment aucun souci, t'as qu'à le dire. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de ma robe? Bah, elle est jolie. Enfin, si j'ai fait un temps d'hésitation, c'est parce que... C'est pas que je la trouve pas belle. Au contraire, je la trouve vraiment très très belle, parce que tu pourrais interpréter mon petit silence comme un doute. C'était pas un doute, c'était de la réflexion. Voilà. Ok. Et malgré ce défaut, t'as trouvé une femme qui t'a dit oui? Ben, ouais. Enfin, je crois. Et quand on s'est marié, elle a dit oui. Peut-être qu'on l'a forcé à dire oui, parce que j'avais dit oui, elle a dit oui, donc peut-être que ça voulait dire. Faudrait peut-être que je lui redemande. T'es aussi belle qu'une licorne qui galope sur un arc-en-ciel. Arrête de me traiter comme une princesse, je vais devenir capricieuse. Mais c'est normal. Je sais pas si t'as remarqué, mais j'ai réservé tout le restaurant rien que pour nous deux, hein. J'ai vendu un rein pour ça. C'est pas dangereux? Oui, j'ai pris un risque, mais est-ce qu'on ne dit pas qu'il faut vivre chaque jour comme le dernier pour profiter pleinement des choses? Et après, on fait quoi? Il y a une limousine qui nous attend devant. Ah oui, j'ai vendu un autre rein pour ça. Mais si on a enlevé tes deux reins, tu peux pas vivre? Oui, oui, c'est vrai. L'origine de la Saint-Valentin, c'est dans la Grande-Bretagne qu'on la trouve. C'est marrant parce que... Au départ, ils pensaient que les oiseaux s'accouplaient à la période du 14 février. Du coup, la fête des amoureux. Oui. Intéressant, non? D'ailleurs, je ne sais pas si tu le sais, mais à la base, la Saint-Valentin, c'est une fête romaine qu'on appelait les Lupercales. Et je ne sais pas si tu as déjà entendu le proverbe des amoureux. La culture générale, c'est comme la confiture sur le pain. Moins tu en as, plus tu l'étales. La saucisse te plaît? Et qu'est-ce que tu as prévu après le repas? Il mettait un temps dingue pour servir. Hé, hey, excuse-moi, ça fait 5 minutes qu'on est là, on peut pas avoir un peu de pain? C'est trop demandé? Ouais. Je disais, tu ne m'as pas encore complimenté sur ma robe? Oh non, sérieux, on va pas parler chiffon, hein. Ah. Une robe, c'est quoi? C'est un bête morceau de tissu, puis il y a un mec qui a mis quelques fils autour pour t'emballer dedans. C'est comme la peau du saucisson, ça sert à rien. Je peux te poser une question? C'est possible d'avoir du pain? Ou c'est trop demandé? Je peux aller dans un autre restaurant sans problème, hein. Ouais, tu disais. Pourquoi c'était si important de m'inviter le 15 février et pas le 14 février comme tout le monde? Le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Je suis obligé de rester avec ma femme ce soir-là. Bon, alors ça vient ce pain? Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo sur la Saint-Valentin. Alors n'oubliez pas, ce n'est qu'une date, ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est de s'aimer tous les jours.
On s'en fiche de la date. Ah oui, vraiment? Et tu as déjà dit à ta femme que tu travaillais le 14 février toute la journée et toute la soirée? Non, je lui ai pas encore dit. Ouais, mais je vais attendre encore un peu.